parole de la vie, papi gen, zon ma tobo, yon a kin, papi gen na bari, tolo de la vie, sebe moi, Washington grand pays, mou konzi, tolo de la vie, abonnez-vous, na tolo de la vie, chez papi gen, zon ma tobo, yon a katia kin, Washington na katia nyekili, voilà, tolo de la vie quoi, tolo de la vie. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Vraiment le président pour lui dire ça. Non mais je m'en moque, le président m'a demandé. Non, ça va. Ça va bien. Ah, c'est Mama ya kambo na hivi dati nayo balobati o papa na hivi ti bonjour d'abord mama hivi mama bonjour mama mani na zako kaniso ku ah mama na ngana salite na zoti kalichete na ya zamba bate la bimba abomba bimba zamba bomba bimba bate la bimba Vraiment, maman, tu es mon appasse. Quand on a ya jeudi, tu es là. 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 Na lobi boye papa. Ba mama na biso, soki bango moko bakokokate. Ba konze bacha biso maboko. Ndenge to komi na taya ya mama oyo. Donc, il y a une moyenne de possibilité. Il y a maman moko mibali bakufa. Il y a une maman ya kosomba bapang. Tozana passe tozo lela. Tozo sambela. To yebite to maman bukita. Eh maman papa. Ba konza mboka batalela biso likambo. Kola ba mama bazali batya ba mama maboko. Ba sala musalo toza ba fefe. To tangisa bana. Na $100 to zo akepa bendie to zo kokate ndenge saliboy ezake to kima na kata mboka oyo to kokende wapi na baba papa to kokende wapi papi to moni rojo depi mama yaka to chaka basaki ko wana mio to ba ero yaka basaki za wana a Merci.
Mbote mama. Mbote papa. Kombo nani mama? Kombo nanga mama Ernestine. Olobeza nini par rapport à libulo tozo muna? Olobeza nini ndak nyonso eke. Ngai boye nazo lala libanda biloko za libanda. Na bana na bakoko. Ndak nyonso seke. Ndak uno za class ni. Ndak aya. Yango kubo yakanya. Mbula wana ebeti nyonso tozo na libana papa. Esika ko lala izate. Na okene wapi ngana se mobala sa koma mukolo nga mama pe na za mukolo nga na okene wapi na zo lala kana libana sa la mabulu ba gouvernement yo karate pour ça la quelque chose yes tolo baka papa asala biso mnyonto o azana ngo asala biso apesa biso ba mama to abongisa asunwa biso ba mama bo ependa to okene wapi eno ko so se passé awa ha ndenge ozotu na bango soki balobaka non seulement balobaki awa na site oyo ngai na yaki awa papa na ebite azawa pi abenga kingai alobi problème ezali toza menacé par les érosions na rapport parlementaire na biso ngai na chaki yango na lobi que site ezali na problème après ngamoko na komi na lobi que gouvernement ya kosa la ministre infrastructure ba ya noki ba ya kosa la parce que problème ezali makasi wana il faut bo filmer ngo bien et sika bozo mona biloko ezali nde sika problème ezalaka donc partir nyoso elimwe mona eli mwena saison oyo eli mwena ba mois oyo ya décembre exacte que o makambo esali bambula non ezali kaka na mois oyo ya décembre nde makambo esalami Natali na bino e komi trop grave. Ba bengi papa bengi alobi biso tozo bima na balabala tozo manifester pona to attira attention ya autorité. Le temps ba bimaki bakangi même battu. Bakangi bakeyi biso toke ko bimisa bango na honorable Eliezer ngai na benga ke na lobi yaka na ba cameraman oya omona. Ce qui se passe c'est dans la ville de Kinshasa tokoki ko mangote que batou bazo kufa tozo monango normal parce que bon bakangi batbaling batou ba continuer à subir ce fou batou ba manifestete on a calmé les gens tolobi na bango tolobi comité salami gouvernement ba membre à gouvernement na ba député pona ba makambo ba sinistre ezaliao mais jusqu'aujourd'hui on aurait aimé que ba ya pona to mona que ça devient effectif que ba ya ba mona bazwa ba mesure parce que ce papa qui est là na mona qui est wana yebisangai est-ce que c'est humain que mutu azala na proximité ya danger ouais, mona déjà ils ça c'est le donc mula moko tout ça ça va partir ça doit partir hein? Maman et ça normal té il faut que l'état asala quelque chose voilà. Parce que ces gens ce sont des congolais et ça batu musuta to rozela soki ba kufi après et comme toyé na cercueil ba débourser mbongo non tant son peu to sala peut-être ba koki ko sopa mabele directement mais ba koki ne fût que ko détourner mai c'est ça c'est ça ozomona mai ya e belé boété et loko oyo nga na yeli awa ezapona ba se sentir interpellé et sika oyo sito bozomona ezambala libosonga na ye awa té na si na ye awa plusieurs fois libosona yaki et sika bozomona ba salité hein et suki wana eza ba biloko bazo boka pona ko kanga mabele nde esika érosion et sukaki mais lelo toza komona mabele bele kei et cette histoire même sou bato bazo kanisa esali bambula po ekoma boye ezali kambambula te ezali kamoko esalami simplement na kokolo ba eza makamba ba jour parce que na mois de décembre awa nde biloko mabelo e bele et ça signifie Tito Souki sa saison de pluie. Ce qui gouvernement salé l'autre côté, c'est que Andimi que tous ces gens
a sacrifié Bango. Parce que eloko moko ko sauver Bango ezali te ce qui gouvernement a yete. Ngai nayaki na ba sac. To chaka ba sac e melami na ebite ndenge modèle ni. Ozomon. Et sali eloko te ces gens ont travaillé moi moi boutou ba sali ba jeune ba s'organiser ba créer couloir. Ba meki ko contenir mai et simbité et lingi ko loba ke e ezo sala mawa ezali susu na niveau bango ba se débrouiller o ezo sala ma awa il faut que le gouvernement a s'investir parce que ces gens qui sont ici na yo ka ba lobi o ba kende ki na ba site mabe mais na tunaka ba site ya bien o yo gouvernement moko na Congo pesa ki ba tu li susu ba kende ko vanda Ndenge zalaki basite mususu batonga ki nakala eza wapi. Non les gens na instinct de survie batonga baya ko vanda même esika oyo ke aye bakara ke natika ko futela nazo te plus esika ko cha moi pongi. Alors vous ne pouvez pas dire simplement parce que bavanda ke esika mabeto vandi to zotala non. Ce que je voudrais dire ici c'est que ce qui se passe ici c'est au-delà de ce que la population peut faire. Il n'y a plus une prise en charge, il y a population pour la sauver situation. Vous voyez? Donc ce qui s'est passé ici, c'est une histoire qui date de très peu de temps. Il y a quelques, même pas quelques mois, je dirais un mois au plus, l'érosion était à cet endroit. Nous sommes venus avec les sacs, on a essayé d'aider et écrire. On a écrit, on a demandé que ce site soit pris en charge. Parce que ça menace la grande route aussi, au-delà des vies humaines qui sont menacées ici. Mais on n'a pas eu de réponse jusque-là. On a fait la démarche au niveau du caucus de Kinshasa. On a été voir les autorités. Ils nous ont promis, ils disent, on met en place un comité pour gérer ces situations. Mais jusqu'à ce jour... Personne n'est venu ici. Et c'est pour ça que moi je suis revenue me disant je ne peux pas laisser ces gens comme ça seuls. Il faut revenir, essayer d'insister, interpeller le gouvernement pour qu'ils puissent s'émaner et venir faire leur travail ici. Ces gens sont des Congolais, ces gens payent les taxes et ils ont droit à une protection de l'État. Les gens sont venus ici parce que... Il n'y a aucune politique de logement dans ce pays. Il n'y a aucun moyen de faire autrement que de se chercher un endroit soi-même et de construire. Parce qu'il n'y a aucune politique qui a été faite jusque-là. Donc on ne peut pas condamner des gens qui, par instinct de survie, ont dû accepter d'être des fois dans des conditions assez inhumaines. Donc on ne peut pas les laisser comme ça, l'État doit faire quelque chose, l'État doit réagir. Parce que ça, ce n'est plus... Ils vont essayer, ils vont peut-être créer un passage pour passer, mais ils ne pourront pas arrêter cette érosion sans l'intervention de l'État. Et c'est son devoir de le faire. Ça, ce n'est pas des travaux qu'ont fait quelques individus s'associent. Ce n'est pas possible. Hein? On peut emmener tous les députés de Kinshasa, on déverse les sacs ici, on ne va pas régler ce problème. Ce problème doit se régler à un autre niveau. Moi, je suis venu pour que la voix des gens qui sont ici se fasse entendre là-bas. Okay. Je n'ai pas la prétention de régler ce problème parce que je ne pourrais pas le régler. Donc c'est pour que les autorités puissent entendre encore une fois qu'il y a des gens qui risquent leur vie chaque jour. Quand il pleut, ces gens ne dorment pas. Et on ne peut pas accepter ça. La saison de pluie, c'est jusqu'au mois d'avril. Imaginez un peu, peut-être dans un mois, tout ça ne va plus exister. Hein? Tout ça ne va plus exister. Et ce sont ces enfants-là qui n'ont rien fait de mal que d'être des Congolais qui vont peut-être périr. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Je répète, l'État doit venir. On est venu ici simplement pour éveiller la conscience des gens sur ce qui se passe ici. Hein? Qu'ils aient des cœurs, c'est des humains. Hein? Moi, le fait que je suis venu ici, quand il pleut, je ne dors pas. Je me dis le matin, qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Et effectivement, le matin, on vous dit, maman,
parti mususu ekei. Maman banda ku mususu ekei. Hein? Et ça normal c'est il faut régler ce problème une bonne fois. Ce n'est pas la faute de ces gens-ci, il y a pas eu des politiques pour drainer les eaux de pluie ou quoi que ce soit. Hein? Est-ce que la population de Mutwasa la kake a drainé Babama Yamboula? Yemo kwa bandi siko ya bandi ko lukabanani ba terrasser l'état ça devoir à l'état bon mabeni nyo bango ba salika parce que baza congolais bazo exister bazo belela pe ba bimi libanda on vient les arrêter c'est pas possible. Hein? C'est pas possible qu'on essaie de régler ce problème d'urgence parce que ça ne tiendra pas à temps dans un mois, tout ça va disparaître s'il n'y a aucune intervention. Tout ce qu'on fait ici, on le fait simplement parce qu'il faut soulager les cœurs des gens, il faut être là, il faut venir, mais on est conscient que ce n'est pas nos efforts qui vont régler ça. Nous, notre part, c'est de parler, de sensibiliser, d'aller là-bas, d'interpeller les gens. Et on l'a fait, on a écrit. On a vu le Premier ministre, on a vu le vice-gouverneur de la ville. Bah, je ne sais pas, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui manque, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas, hein? Qu'ils viennent, qu'ils trouvent les solutions. Ils peuvent pour un premier temps essayer de faire en sorte que les eaux ne coulent pas en abondance ici. Peut-être détourner les eaux d'une certaine manière, peut-être créer des bassins de l'autre côté là-bas. Hein? Qu'ils soient quand même responsables, ne fût-ce que quand la vie humaine comme ça est en danger. Okay, c'est révoltant, ça me révolte, je ne sais même pas. Je peux rester ici toute la journée à parler, à les interpeller, à crier, parce que je ne conçois pas que des Congolais vivent cette misère. Ce n'est pas tolérable. On doit faire quelque chose pour eux. On doit cesser de dire « Ponini makenda kiko vanda kunate ». Bavandi awa, parce que nous devons être responsables. Nous n'avons jamais eu une bonne politique pour que tous ces gens-là se logent. Quelqu'un qui veut s'acheter une maison doit emmener du cash. On a vu ça où ça? Où est-ce qu'il y a des crédits de logement? Alors, essayons de faire, de réparer ce qu'on peut réparer. Soyons humains. C'est tout ce qu'on demande. Nzela yitikali muke et komanda prince. Et papa atoza wapi? C'est sur le côté toza. Ah, toza na c'était zéro minza. Zéro binza, pembeni na masikita. Zéro binza, za pembeni na masikita, na kananga. Bangolo ba yebi erezo ya kananga na fuluwana, yitikali muke prince ikuma, prince ikakana. General Mayele. General Mayele, pembeni na General Mayele. Les gens qui vont venir de bord, des spécialistes. Et qui tient, c'est quoi une photo qui a basse qui est au banana c'est là-haut.
pour protéger Ango et dire les Ango du colo pour se soutenir. Tokita. Non, non, ce n'est pas votre problème. Nous, notre problème, c'est dans les équipements qu'il faut. Il y a des gens qui sont habitués à le faire et vont le faire. Le grand souci, c'était que la valeur ne se détruise. Est-ce qu'on va s'accrocher à Minene ou à la paix? Effectivement, ceux-là, c'est tous qui sont très. Les petits ne tiennent pas. Il y en a là-bas. Vous dites grande bâche des grands camions. Vous les prenez même deux. C'est fini, ça ne suffit pour faire une distance dans le même salon. Donc l'essentiel, bah, eux, ils ont les sacs et tous les grands sacs qu'on laisse ici. Mais on va aller chercher la bâche, pour chaper bâche, et on fait l'option de... Ok, là vous décidez pour quand? Bon, à tête reposée, vous allez s'y aller, vous allez appeler. Non, en fait, moi, si je pouvais avoir le premier contact de Loma, c'est bon pour moi. Déjà, Loma, si on peut. Parce que je veux, si c'est faisable, on fait quand même. Ça va, on est disposé. Loma, déjà, c'est bon. On est disposé. On essaie d'aller donc agir selon un idéal qu'on a. Oui. Et l'idéal qu'on a, c'est que demain, sur le Congolais, notre pays qu'on puisse un peu souffler pour vivre mieux. C'est ça. Je voudrais que papa ici, qui est quelqu'un d'ici, qui est ici dans ce site depuis longtemps, 40 ans ici, puisse expliquer l'existence de cet ouvrage et vous montrer que quand on est léger dans ce qu'on fait, il y a des conséquences. Quand vous commencez quelque chose et que vous ne terminez pas ça, eh ben, la situation est pire qu'avant. Alors, je veux lui laisser vous expliquer exactement cet ouvrage. C'est fait depuis quand et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on arrive à des conséquences aussi dramatiques? Donc, vous allez comprendre que quand les gouvernants ne sont pas assez responsables et corrects avec la population, il y a des conséquences graves. Quand vous commencez quelque chose, vous devez la terminer. On a toujours parlé de la continuité de l'État. Or, chez nous, c'est comme si quand quelqu'un vient, il fait fi de tout ce qu'il y avait avant. On n'essaye pas de voir qu'est-ce qu'on avait commencé, qu'est-ce qu'il faut terminer. Donc, je veux laisser papa expliquer exactement l'historique de cet ouvrage. Comme ça, on va comprendre que quand on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait, on n'est pas assez responsable, il y a des conséquences graves sur la population. On va essayer de leur expliquer ça. Donc, en fait, ce canal a été construit vers les années 1982-84. Il s'agissait du tronçon qui va de résidence de M. Boboliko sur l'avenue qui porte son nom vers le bas. Et la société SIPA, Chaza, il y a certains haïtiens qui s'appelaient M. David,
et son ingénieur, M. Turnier, sont venus pour pouvoir achever ce travail. Ici où nous nous trouvons, nous sommes sur une profondeur d'environ 15 mètres de fossé. Ça avait été détruit par les eaux qui découlaient d'en haut vers le bas. C'est ainsi que SIP avait précipité les travaux, laissant la continuité du canal en allant vers l'avenue au Congo, vers le haut. Alors, ils sont descendus vers le bas. Donc, vers 1984, le travail était arrêté. Arrêté pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de financement. Les responsables de l'époque n'avaient pas continué à payer à la société. La société avait trouvé bon de faire un bassin de retenue. Ce bassin de retenue était provisoire, avec l'espoir que le gouvernement de l'époque va financer pour que le canal aille jusque vers le point zéro, qui est la rivière Djelobinza. Alors, pour ne pas laisser le travail comme ça, ils ont fait le bassin. Et ce bassin a fait environ 3 décennies, plus de 3 décennies. Et la quantité des eaux qui était prévue était inférieure par rapport à ce que nous encaissons maintenant. La conséquence, c'est que le bassin avait carrément rompu. Et quand il a rompu à la place du bassin, nous avons maintenant une érosion qui a la profondeur de plus de 30 mètres, comme vous venez de photographier ça. Alors, la conséquence, c'est quoi? Un travail non fait, est fait à moitié. Un travail qui n'est pas terminé a toujours des conséquences qui, avec le temps, a des répercussions sur la population. Il y a des gens qui perdent les maisons, il y a les gens qui meurent, il y a des gens qui se fracturent, et le déplacement est très difficile parce qu'il n'y a pas de route. Voilà en fait l'ensemble des points qu'on peut mettre à l'actif des gouvernants qui, en tout cas, ils n'ont pas de volonté. Même pas de volonté, parce que cet argent qui était payé, c'était détourné par les gens de l'époque. Je ne sais pas si c'était leur nom, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont là, mais qu'est-ce que vous voulez? Notre souci est que l'actuel gouvernement puisse prendre à l'actif et au passif ce qu'il faut pour pouvoir mettre la population à l'abri en faisant ce travail jusqu'à amener les eaux de ruissellement vers la rivière Djelobinza. Le terrain sur lequel nous sommes, c'est un terrain en pente inclinée. Donc, il part de la route de Matadi, point zéro, et aboutit à la rivière Djelobinza, point zéro. Donc, la pente est d'environ 45 degrés d'inclinaison. Vous comprenez que la vitesse de circulation des eaux est très grande. Et la terre de Djelobinza étant une terre sablonneuse, ça rôde très facilement. Donc, ça peut faire un dégât dans 30, 40 minutes après une pluie, et vous trouvez que beaucoup de gens manquent d'abri. À ce moment-là, nous allons pouvoir nous en prendre peut-être à nous-mêmes, mais à nos dirigeants. Et je vous rappelle que nous avons fait beaucoup. Monsieur, je le cite, en tout cas je le cite personnellement, le ministre de l'ITPR, Thomas Loraka, est déjà venu sur ce terrain. Il a déjà été là. Il avait promis des mois et des merveilles. Et puis après, on n'a rien vu. Il a disparu comme ça. Il nous avait même dit qu'on avait débloqué les fonds pour le travail ici. Ces fonds qui étaient débloqués sont-ils partis? Ce n'est pas notre problème, mais nous l'interpellons pour dire qu'il devait s'investir pour faire ce travail. On a fait venir beaucoup de gens ici. Et aujourd'hui, les derniers en date, c'est Mme Cortel que nous avons là, le secrétaire de l'université qui est là. Ce sont les derniers qui arrivent maintenant. Alors nous pensons qu'avec leur dernier coup de marteau, on pourra avoir trouvé le gain de cause. C'est ce que je peux dire sur et l'historique et la manière dont l'ouvrage a été élaboré et les conséquences que cet ouvrage nous apporte maintenant. Au lieu de nous apporter en bien, maintenant ça nous apporte en mal. Voilà ce que je peux dire. Il y a aussi un autre facteur. Les constructeurs ne suivent pas la voie d'urbanisation. Les eaux ne sont pas contenues dans chaque parcelle du propriétaire. Les gens laissent sortir les eaux en divagation, comme les animaux sans ordre. Conséquence, il y a des ruissellements partout. Et quand il y a ruissellement, il y a érosion. Et quand il y a érosion, il y a destruction de terrain, au glissement. Et conséquence aussi, les dégâts tant matériels qu'humains. Ce travail qui a été fait pour régler un problème très important pour une population, je ne sais pas comment estimer, plus de 5000 personnes. Mais regardez dans quel état ils se trouvent. Tout simplement parce qu'on s'entend, on n'a pas terminé ce travail. Quand vous laissez des briques comme ça, avec les eaux, les humidités, donc même, la qualité, la résistance des matériaux change, ça subit un choc.
si on avait été jusqu'à la fin, bien terminé et crépir cet ouvrage, ça ne serait pas comme ça. Là, vous voyez qu'il y a des vides là. Donc, ça signifie qu'on peut avoir un jour une surprise, que cela aussi cède d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Ce qu'on voit ici, moi je suppose qu'en bas là-bas, c'est exactement la même chose. Et c'est comme ça que ça ne peut que céder. Donc si aujourd'hui on ne vient pas vite faire ce travail-là, ça va céder. Parce que si ici, si, là où c'est facile, ils n'ont pas terminé, vous pensez bien que, excusez-moi, qu'au fond là-bas, de là où on vient, si le travail est comme ça, quelle est la résistance de cette Madame, hein? Merci, je peux encore ajouter ceci. Ici, c'est la paroi extérieure. C'est vrai que c'est un peu comme ça. C'est vrai que Vous touchez. Hein, maman? Continue de faire. Vous touchez les gros. Vous touchez pour de vrai dans les mains. Oui, à mon avis. C'est symbolique, hein, maman? Et là, c'est moi. Merci. On ne voit pas. Sikoyo nazolo ba kona nanu bino ba mama bisonde to batela randaku to komba ka to bongisaka to sala ka nyonso omonde na monika na lwana to moni kana lwana eza kosunga koma yeleka me to moni bandi ko beba to moni ke ba sisaki misalate donc ezo beba ezo liama to moni ba fonte donc mukolo mususu toko telema to yesika wana eloko na ekwei me eloko lisud na moni ba salite na ebandeli soki bozoke banam susu yo tindi mwana lobi kendo kwa kasi ya suki wana kanal wana eko beba lisuma kasi donc bino en tant que ba mama bozala na estria ko batela poso ibino mo repé bo batelite eza pasi. Et c'est un mamé Zalaka, si papa, bozu esika ko vanda. Donc, on a interpellé Bino, on a interpellé Bamoussousou, on a battu la canal. Et on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a
baya basala parce que ça devoir na bango on a na sali ezali rôle na ngai en tant que député ya ville à Kinshasa. Amen. Na ya na tala na kende na loba bo kanisateur te ezali kambo ya politique ezali kambo enemite ezali kambo to kende mboke kende liboso mboke kende liboso mutu mutu fasa la part na ye part na ngai ezali koya na zana base. Vacances et bandaki depuis dimanche. Donc, dès que la vacances. Vacances en Gwe Zakanini, Kende Tambola, Sala rapport. De Moussala Nangana Zo Sala, Yangoyo. Amen. Donc, c'est normal qu'on aille na. Un signe à partir Nanga, et ça, on a le Kamboté. Ce qui est important, c'est. Loyauté à Kosala Likamboyo, Batinde la Kyokuna, Nde Angouana. Et je le fais en âme et conscience. Nayaki en âme de Kouelézer. Nan de Kouelézer, Toza parti Moko, mais Toyaki, Tochake Lokonini Likolo, intérêt à population. On se comprend. Donc ceux qui sont libres, Tomi Sousou Bazali, Nakome Mabango. Nan Azala Robanga Teo, Nabanga Apo, Sikangonga Mokote. Na sauvé des batou. Ce qui font la même, ce qui n'a ni na koya na ye. Yangwana. Merci. Tout le de la vie, ma figuine, Zoé Matobo, Yonakin, ma figuine na Bali. Tout le de la vie, c'est bien moi, Washington Grand Pays. Mon Kondi, tout le de la vie, abonnez-vous, na tout le de la vie, chez Papi Gene. Zoé Matogu, yon a katia kini, Washington a katia mekili. Voilà, Tolo Belavi quoi. Tous les gars. www.tolobelavi.com. TOLOBELAVIE.com